مرحبا بكم الكل. هكا وصلنا تقريب لنهاية البرمجة الخاصة والبلاتو سبيسيال في لو ماك. تحية لوليد برحومة وتوت ليكيب. معكم وسيم العبي هوني من بوفا بيغا مارت من الكونغري دو سي جي دي. باش نختموا بعد شوية مع رئيس السي جي دي وموجود بحذانا عماد قروي باش نرشوا بتاتر على نقاط القوة اليوم تاع سنتر دي جون ديريجون وشنو يوفر للي جون ديريجون في بلادنا للمؤسسات للاقتصاد باش يساهموا ان توكا في النمو الاقتصادي نتاع بلادنا. قبل هذايا un coup de cœur. معناتها اليوم parmi les programmes phares نتاع CJD, programme تعرف عليهم من سنوات واللي كان tremplin plusieurs entrepreneurs اليوم اللي ولاو قصص نجاح او كانوا معناتها ان توكا بارك الله عليهم وزادوا تطوروا وشركاتهم عرفت نمو كبير. بعد المشاركه في CJD بزنس اووردز نحكيوا عليه مع عضو المكتب الوطني لمركز المسيرين الشبان لو CJD و المسير ديريجون نتاع FM Buildings, donc Facility Management Buildings. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu Bik, Aïcha Kouassi, merci infiniment pour l'initiative et bravo encore et un spécial clin d'œil express à FM. Bravo, bravo et encore bravo. Aïcha Kouassi, nous sommes voilà, partenaires du CJD ou avec c'est la gestion essentielle des services généraux. Donc, on se positionne en tant qu'un seul interlocuteur et un seul partenaire de ces entreprises pour gérer l'ensemble des services généraux destinés au bon fonctionnement de leur entreprise. Sinon, Mohamed Khalid, CJD Business Award, le Business Award, c'est en fait c'est le concours national du meilleur jeune dirigeant de l'année qui a été créé par le Centre des jeunes dirigeants depuis 2008. L'année dernière, en décembre 2023, ça, c'était la 14e édition des Business Awards. Business Awards, c'est de récompenser un jeune dirigeant qui a travaillé pendant toute une année, qui a dans une conjoncture économique assez difficile en ce moment, et on sait très bien ce qui se passe dans notre pays, mais on ne va pas s'étendre sur ce sujet, et de récompenser cet effort et de récompenser ce jeune dirigeant qui a beaucoup de mérite en fait. Voilà, donc ce concours fit des conditions d'éligibilité, bien sûr. T'as mahloul les candidatures à la Mazelo. Alors, après la 14e édition, on a senti un tout petit peu que ce concept a commencé à... Donc ce que je peux vous garantir... Pourtant, c'est des éditions brillantes. Mais le concept en lui-même, donc il y a une commission qui est en train de travailler en ce moment même sur un nouveau concept de Business World et ce sera une très très grande surprise à la fin de cette année, Inch'Allah. Donc ça sera la 15e édition, Inch'Allah. Voilà. À l'occasion des 15 ans, en tout cas. Voilà. Mais à l'occasion des 15 ans, il faut qu'il y ait un nouveau concept, il faut qu'il y ait un nouveau business. Un lifting, Mélancol. Oui, peut-être un lifting. Une touche novatrice. Mais une touche novatrice aussi. Atina Haj, Atina l'ADN, Rouh, justement. Je n'ai pas l'ADN. Khalil Ankam, le mal commission, mais ça sera une surprise, mais vous aurez l'exclusivité. Ça, je vous le promets. Rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris. Mohamed Kid, قبل ما نتعدى لعماد قري ونختموا على هالبلاتو سبيسيال, شنو اهميه هالنوع هذا من لي كونكور؟ يا بوكو دو كونكور, شنو اهميتهم ان فان دو كونت؟ علاش نعملوا فيهم؟ Un jeune dirigeant, il a besoin de ça, il a besoin de reconnaissance, il a besoin d'être récompensé par rapport à cet effort, même si la récompense au CJD n'est pas pécuniaire, mais c'est des connexions au réseau du CJD, mais c'est des relations, c'est vraiment des connexions, باش يزيدوا هما يطوروا ويقدموا في خدمته ويحس de la reconnaissance. C'est important au jour d'aujourd'hui en tant que jeune dirigeant. Manette Ahnadima au CJD, on est là aussi pour rompre l'isolement. Parce qu'un jeune dirigeant qui travaille seul, on est là pour rompre cet isolement qu'il a. Mais il a besoin de cette reconnaissance, il a besoin de. Et surtout, Bchiwali Ho, un exemple pour les autres.
Yoel est un exemple. Il a été récompensé parce qu'il a beaucoup de mérite et il peut donner il peut être un exemple pour d'autres jeunes dirigeants qui sont dans une même dynamique et une même. Voilà. Et d'être aussi récompensé, et d'être aussi jugé par ses pairs, voilà, par des experts de. Et puis c'est JD Business Awards, Talbibel, voilà. C'est un tremplin. Par le passé, vraiment c'était un tremplin. Donc finalement la récompense n'est pas que pécuniaire. De toute façon, Mouchad, je pense que le réseau, les Kitali, c'est très important, que la visibilité, les Erdoua, ou que les Alakat, je me parle de Barcha Biben, qui t'arrive à d'autres JD qui font, etc. Merci infiniment. Merci encore et bravo. Premier juré. Bravo, Yatik Sahan, c'est le commissaire de l'IMAC, Mohamed Khalid, bravo. Merci Marc, Ahmed Khali, on va rebondir sur ça, bah justement. Oui, exactement. Là où j'offre l'excellence, le CJD. En fait, là où j'offre l'excellence, et je pense que aussi le rôle du CJD Business World, c'est aussi de détecter les pépites. Ça y est. En fait, exactement. On a détecté Amin Chouaïb, on a détecté Kerim Jouini, on a détecté Nissa Beni. C'est en fait des jeunes dirigeants qui, à une phase donnée de leur entreprise, voilà, de leur start-up, Ziad Giga aussi, exactement. Il y a pas mal de gens aujourd'hui, et l'Ihouma, on les a, on a quand même, le Business World les a récompensés, mais à un stade avancé. Exactement. Les départager, d'ailleurs, c'était des profils. Et ben, deux années de suite, il y a des femmes qui ont gagné le titre de Business World. Tout à fait. Et je pense que le rôle du Business World aussi, c'est aussi d'anticiper, c'est d'avoir ce regard, extérieur, et de dire que, tiens, cette personne-là, je pense qu'elle va aller très loin. Son entreprise, elle va aller très loin. Mais surtout, et un point qui est très important, c'est que, en fait, ce jeune dirigeant, il va dans les valeurs partagées pour le CJD. Des valeurs, Lyuma et Lerkin Alium, je pense qu'on en a beaucoup parlé. Et je pense que c'est un rôle important du CJD Business World. C'est récompenser, détecter la pépite et surtout aussi après le mettre en avant pour que, ou Inch'Allah, après, dans le futur, il puisse briller. Ça va, par rapport à ça, je pense qu'on a parlé du Business World. Après, je pense qu'on a... Marwa Ben Ali, RBOS 2022, Omeni Mansouri, donc 2023. Exactement. Voilà, exactement. Voilà. Et je pense qu'on va attendre de très belles surprises, que ce soit de Marwa ou là encore de Dabchi Z qui se développe sur la masse et tout ça. C'est rare, l'entrepreneur tunisien. Exactement, mais c'est vraiment tout à son honneur, madame. Donc en fait, ça c'est pour parler du Business World. Après, quand on va récapituler un peu le CJD, son rôle, quel rôle il a à jouer, c'est comme vous avez vu, on a évoqué tout au long de cette interview, d'ailleurs, nous, je connais Express FM pour vraiment l'engagement comme envers nous et pour ce beau partenaire et ce beau partenariat qu'on a mis en place, Mabarad, mais tout ça, et toi. Grâce à toi. Merci beaucoup aussi. Justement. Clair. Je rebondis, créateur de valeur, c'est ça, vous cherchez à créer de la valeur. Exactement. L'artisan de Tunisie et vous savez, mon film, voilà. Et vous le faites, c'est ma qu'il y a une panoplie, comme une formation, le taquid, le tatir, le mourafqa. Tout à fait. On a un axe international, c'est des kiff-kiff, on a un réseau international, l'IGET, Arquette Ali, Vanessa, la présidente du CJD international, où il y a 14 pays de par le monde, il y a plus de 6500 adhérents, c'est des kiff-kiff. C'est ça, 500 adhérents, notamment en termes d'échanges, en termes de partage, en termes de partage d'expérience. Connecté, systématiquement. Bien sûr, connecté. Tout ce réseau, il est à disposition et on peut échanger, on peut partager et tout ça. Zeda Kif Kif, avec le côté section, le côté régional de la Zeda Jihad, Zeda Kif Kif, il est très important. En fin de compte, bon, ok, c'est bien, il y a un CJD national, allez, mais en fin de compte, allez, Kul Jiha ou Khoussouciyata. Exactement. Mais c'est les points forts, le tissu économique, les attentes aussi. Un JD Fitoun, ce n'est pas les mêmes qu'un JD Fitatawi, ce n'est pas les mêmes qu'un JD Fisfers. Exactement, exactement. Et donc ce côté-là, ZADA des régions, bien sûr, qui m'a connu être une force de proposition, porter la voix
de ce jeune dirigeant, le sortir de son isolement en ZADA Kif-Kif, créer des moments de réseau, créer des moments de partage, créer des moments de rapprochement entre jeunes dirigeants, parce que finalement, là, on partage les mêmes soucis, on parle le même langage, on a les mêmes attentes au final. Un jeune dirigeant et voilà, un chef d'entreprise, voilà, rire, ou le colon cette année, ou faire tarquer, enfin, qui fait. Donc, ZADA Kif-Kif, être approximation du terrain. ZADA Kif-Kif, faire ses remontées terrain à travers nos études qu'on est en train de faire, à travers les différents partenaires ZADA avec nous. L'Umaya, et je pense qu'on en parlera, ZADA Kif-Kif. Merci la Conrad Adenauer. Exactement, il faut remercier la Conrad Adenauer par rapport à tout ce qu'elle fait depuis plus de 20 ans, Manata, avec le CJD et autres de l'écosystème, pas seulement le CJD. Je pense que tout ça, c'est vraiment le rôle du CJD, mais pas que. Je pense que le CJD, Wahdo, sûrement. Mais je pense qu'ensemble, avec les autres partenaires du réseau, l'écosystème Kollou, je pense que si on pousse ensemble, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de synergies, il y a beaucoup de choses qu'on peut Marata, partager en commun, on peut changer beaucoup de choses, on peut faire améliorer beaucoup de choses, et je pense que c'est le message Lioum a apporté tous ensemble. Voilà. يعطيك الصحة عماد قروي رئيس المركز السيري الشبان تونس ويعطيك الصحة مرة أخرى محمد كريد نستناو في بيل إديسيون نتاع سي جي دي بزنس أوردز في آخر العام سنة شكرا لكم الكل مستمعينا مشاهدينا اللي تبعتونا نرجعوا لاستوديواتنا المركزية احنا كنا هوني في راب موبيشن موفين بيكا مارت à l'occasion du congrès national du CJD ملتقانا غدوة باش يكون معاكم في ستارت اب دونك اللي تبعوا ليميسيون ستارت اب افيك ان بتي كلان دوي سبيسيال التونسي غدرنا ما عندوش برشا ربي يرحمه خالد الرجبي اللي غدوة في ستارت اب فيلاج دايوغ جو بروفيت اللي يحبوا يجيو غدوة العشرة متاع الصباح الاربعين نتاعو ان اوماج لو سوغا روندو في الستارت اب فيلاج سينو ملتقانا نهار اثنين افيك اون انترفيو تسجلت هوني مع فيليب ديسارتين استاذ الاقتصاد نحكيو على التحولات الكبيرة وباش يكونوا معنا ضيوف اخرين كيما فاروق زهير كيما نعمان التونسي كيما دوجا غربي كيما النائب رئيس زادا نتاع والله ويكان عباد اتسيتيرا دونك فوالا اقعدوا معنا تابعونا على موجات اكسبريس اف ام شكرا تقوى شكرا يوسف وسيم العربي حييكم نهاركم مبروك بونسواري ربي يحمي بلادنا ان شاء الله